protéger le peuple là. Je peux passer Fumi Lavalas. Et nous avons plus de monde dehors. Et nous-mêmes qui devons aller en bas pour nous avons pour Fumi Lavalas. Parce que l'identité, c'est la Vassinier. Nous ne devons jamais de la réussite dans notre pays. Nous même pas Fumi Lavalas. Et nous avons la réussite. Nous n'avons pas la réussite. Nous pour deux ans. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Je ne sais pas quoi 80 ans. Nous sortons ces volontés de cette unité. Nous estimons que le plan
ça sur le plan matin, côté que vous m'avez dit, une forme de coup d'État à soi, pour au moins pouvoir abîmer le peuple. Mais nous-mêmes, étant que dirigeants, nous disons pour aller jusqu'au bout, intimidation, que nous avons fait provocation avec anciens militaires, que nous étions là, nous ne pouvons pas faire battre. J'interpelle Madame Sandra Honoré de la Munista, qui incarnait la représentation de secrétaire général Ban Ki-moon et force ça qui n'a pas pays pour pacifier pays a nous avons un groupe armé paramilitaire armé et ses responsabilités l'OEA, ses responsabilités les Nations Unies, ses responsabilités Haïti et ses élites. Et c'est la raison pour laquelle moi, le peuple haïtien, dans l'opposition plurielle, pour garder le calme, moi, de tout le monde qui est fanatique PHTK, pour garder le calme, nous avons besoin d'indépendance. Tout le monde qui est fanatique opposition, pour garder le calme, nous ne pouvons pas accepter pour une élection nous perdre Haïti. Nous ne pouvons pas accepter pour une élection nous perdre la constitution. Nous ne pouvons pas accepter pour une élection nous perdre la souveraineté. Et c'est la raison pour laquelle nous demander la ministre et la police nationale pour faire tout ce qui est possible pour nous qu'aimer climat qui garantit manifestation de l'opposition, pour nous garantir climat qui garantit manifestation des partisans du pouvoir, est d'accord que le mandat du président l'a fini le 7 février. On nous d'accord, il faut que ni haïtien PHTK, ni haïtien de l'opposition, que le mandat président Martel est fini, ce n'est pas coup d'État qui fait, c'est le mandat qui finit, pour que nous chutons à parler entre nous, pour nous connaître quel type de pouvoir nous allons mettre pour protéger la vie toute haïtienne. J'interpelle le secteur privé haïtien à travailler avec les représentants de l'Église catholique protestante et de la religion vaudou. J'interpelle les membres de congrégation loge là. J'interpelle les chambres de commerce. J'interpelle les rédacteurs des salles des nouvelles. J'interpelle les propriétaires de médias. J'interpelle chaque paysan. J'interpelle chaque étudiant et également l'université dans son ensemble pour nous lever comme guerre civile. Non, pays à trop pauvre. Si les tuer là, nous dit non, pays à trop pauvre. C'est le moment pour nous d'accord que le mandat du président lui finit 5 ans, 7 février. Comment les élites qui partisent au pouvoir et les élites qui ne partisent au pouvoir, qui sont dans l'opposition, n'ont pas seule la constitution amendée pour nous capables de trouver une solution rapide qui baille garantie au bon fonctionnement, à la stabilité. Les anciens militaires, ce sont également des Haïtiens. Ils sont nos frères et nos sœurs. Et nous croyons que je dis, et pas parce qu'on est Haïtien, mettez en fer olive, là, on s'amène pour ne pas reconnaître qu'il y a des droits. Droit, c'est pour protéger et servir. Il y a une grande confusion entre rétablir l'armée hein, par rapport à des groupes paramilitaires qui armés. Nous demandons chaque Haïtien qui gagne des âmes et qui envers olive, protéger la vie. Protéger la vie. Tout groupe qui doit manifester, mais en chita, pour nous donner un compromis politique pour Haïti aller de l'avant. Haïti, c'est pour nous tous. La paix pour Haïti, que mon Dieu bénisse Haïti. Let's go.